Chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube officielle. Nous sommes sur le chantier où la construction du futur BTOI est en cours. En fait, il ne s'agit pas seulement de la construction en elle-même, mais aussi des travaux de finition. Je suis Alexandre Souderev. Vous voyez que depuis notre dernière vidéo, il n'y a pas de changement important que la caméra puisse capter. Mais si nous regardons de plus près, nous pourrons trouver beaucoup de choses intéressantes. À présent, je vous suggère de mettre l'accent sur les types de travaux qui sont en cours et je vais vous expliquer à quoi servent ces travaux. Bien sûr que l'objectif global de tous les travaux soit la mise en service du bâtiment du BTOI et le lancement de son fonctionnement. Mais nous allons voir les détails. Tout d'abord, les fenêtres qui séparent notre ligne de production ont déjà été installées. De l'autre côté, les fenêtres ont également été installées d'ailleurs. Sur le côté gauche, des portes ont été partiellement installées. Nous allons vous les montrer. Voilà, il y a des portes menant au laboratoire et il y a des portes séparant les salles avec les armoires d'alimentation électrique. En outre, des travaux d'électricité sont en cours et les ouvriers ont commencé l'installation de chemins de câbles et de coffres pour pouvoir poser des réseaux électriques déjà dans la partie de production du bâtiment. Les armoires électriques de type 1 et 2 ont également été installées. Maintenant, vous pouvez les voir sur vos écrans. De façon générale, des travaux préparatoires sont en cours pour procéder à l'installation des réseaux de viabilisation dans le bâtiment administratif et technique et dans presque toutes les parties du bâtiment du BTOI. Qu'est-ce que je voudrais noter? L'aménagement de l'entrepôt est en cours. En fait, l'entrepôt est déjà presque fini, les étagères sont installées là-bas et dans un proche avenir, elles pourront être utilisées. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Je pense que l'un des principaux événements de ce jour, c'est le branchement des systèmes de viabilisation, à savoir du réseau de distribution d'eau à l'intérieur du BTOI. À noter qu'il s'agit du premier branchement et que les tuyaux ont déjà été posés à l'intérieur du bâtiment. Vous pouvez les voir maintenant sur vos écrans. Vous voyez notamment la tranchée qui a été excavée et les tuyaux qui ont été posés. Ils sont maintenant branchés à l'unité de distribution où les ouvriers vont bientôt installer des vannes. Cela nous permettra de fournir de l'eau au bâtiment, plus précisément aux locaux de sécurité incendie où des pompes seront installées. Autrement dit, c'est ce qui est nécessaire en premier lieu afin d'améliorer la sécurité de notre bâtiment ainsi que de toutes les personnes qui y travaillent maintenant. Ensuite, les ouvriers poursuivront les travaux de branchement du réseau de distribution d'eau qui sera conçu pour d'autres tâches également. Nous vous le montrerons dans nos futures vidéos. Félicitations! Le premier branchement a donc été effectué. À présent, passons à autre chose. L'installation de l'équipement laser se poursuit. Le complexe laser en lui-même a déjà été mis en place et la préparation de la connexion de cet équipement à l'électricité est en cours, comme nous l'avons dit précédemment. Je pense que dans un proche avenir, cet équipement laser sera en fonction. Cependant, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a beaucoup d'espace libre ici. Je suppose qu'il y aura d'autres lasers dans ce secteur également. Allons-y. Voilà, je pense que vous avez pu voir les passages que nous avons pris pour nous y rendre. À présent, les ouvriers sont engagés dans l'installation de structures métalliques de puissance. En outre, le marquage des chemins pour les réseaux de viabilisation a déjà été effectué. Ces réseaux seront installés à partir de ces locaux que nous voyons plus loin. Cette porte est fermée en cachant derrière elle les armoires électriques de type 1.
Nous passons plus loin. À noter que ce tournage est assez compliqué pour notre caméraman car c'est de l'improvisation. Bonjour, on fait une vidéo ici. Ça vous dérange, non? Vous pouvez voir l'installation du matériel qui se poursuit. Il s'agit de cette armoire, par exemple. Je voudrais également vous montrer à quel point ces travaux sont importants à grande échelle. Merci à nos ouvriers. Maintenant, nous allons à l'entrepôt. Vous voyez les étagères qui sont vraiment énormes. À noter que les ouvriers poursuivront l'installation des étagères supplémentaires, parmi lesquelles un chariot élévateur spécial se déplacera à l'avenir pour distribuer tout le matériel qui sera entreposé ici. Cependant, il sera possible d'y entreposer à la fois des matériels, des produits finis et en principe tout ce que vous voulez. À présent, nous sommes près du portail derrière lequel se trouve le quai de chargement-déchargement. Mais qu'est-ce qui se trouve au-dessus de nous? Auparavant, nous avons vu ici un entresol, mais à présent, il n'est plus visible car les structures métalliques et les panneaux ont déjà été installés. Et en fait, nous avons obtenu des locaux isolés qui seront utilisés dans un but spécifique. Allons voir à quoi cela ressemble de l'intérieur. Nous sommes montés à l'entresol du premier étage, qui est situé à l'arrière du bâtiment, près du quai de chargement-déchargement. De grandes cloisons y sont déjà apparues. Certaines d'entre elles représentent des murs qui nous séparent de la partie de stockage du bâtiment. Cependant, directement dans l'entresol, les cloisons ont également été installées. Ici, l'aménagement des zones de travail est en cours, et à l'avenir, les employés du BTEI pourront y exercer leurs fonctions. Allons plus loin. Maintenant, nous allons entrer dans la salle suivante, qui est assez sombre d'ailleurs. Je tiens à souligner que la majeure partie de l'installation des égouts pluviaux à l'intérieur du bâtiment a déjà été effectuée. Et maintenant, nous devons passer au branchement des systèmes qui ont été enterrés dans le sol. Ces travaux sont également en cours. Ah, il fait trop sombre dans cette salle. En fait, nous devrons y installer un éclairage artificiel. Cette pièce peut être utilisée comme entrepôt ou autre chose, par exemple. Voilà, ce sont les travaux qui sont en cours sur le chantier. Je pense que vous avez également pu voir certains travaux qui sont restés sans commentaire, mais qui sont assez intéressants. Les spectateurs les plus attentifs remarqueront immédiatement cette nuance. Mais nous garderons une certaine intrigue. N'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux pour être au courant de tous les événements qui se déroulent dans la vie du projet Sovelmash. Je pense qu'il y aura beaucoup d'informations intéressantes que nous allons partager avec vous. Merci et à bientôt.